60. Centre socioculturel. Socioculturel, Comice 2009. Comice 2009. Bon, nous sommes donc de retour au stand de la communauté de communes. Donc, nous sommes les jeunes du centre socioculturel. Nous allons maintenant interviewer Jean-Louis Sombré. Bonjour. Donc, le directeur des organisateurs. Première question, alors pourquoi avoir créé ce comice, quels sont les intérêts? Alors le comice a été créé il y a 28 ans par l'association du comice agricole et de la foire exposition qui est organisée par les commerçants de Barbezieux. Ça se passait à cette époque-là sur la place du château et l'association des deux ont créé la foire exposition comice agricole d'aujourd'hui qui l'année suivante est descendue sur le site de Plaisance. Le but de cette foire, c'est de créer une dynamique économique dans le pays Sud-Charente en rassemblant beaucoup d'acteurs économiques, les commerçants, les artisans, les entrepreneurs, avec un public qui est intéressé et acheteur. Que représente l'organisation un tel événement? Alors ça représente une année de travail. Parce que dès qu'une foire se termine, on commence déjà à penser à la suivante. Ça représente un an d'investissement pour environ 24-25 personnes, auxquelles viennent se joindre 150 bénévoles dans les deux mois qui précèdent la foire, pour faire en tout une équipe de bénévoles de 170-175 personnes qui œuvrent pour cette foire, c'est-à-dire qui pensent, qui trouvent les orientations, qui trouvent les animations, qui font tout un tas de travail administratif pour récupérer des inscriptions d'exposants. Ensuite, il y a le travail physique du montage des stands. Il y a aujourd'hui les trois jours de manifestation. Cette foire exposition qui est une réussite quand le temps comme aujourd'hui est présent. Et ensuite, il faut démonter. D'accord. Donc, quelles sont vos attentes pour cette année? Eh bien, cette année, on attend, comparativement à l'année dernière, je disais, du beau temps, parce que l'année dernière, on a eu de la pluie. Malgré tout, les éclaircies étaient bien intervenues puisque les vedettes qu'on avait fait venir avaient pu avoir leurs prestations sur la scène sans problème. Cette année, on attend du beau temps pour que les visiteurs viennent en nombre important et que les exposants puissent être en contact de ces visiteurs et faire du commerce. Bah écoutez, merci beaucoup d'être intervenu. Donc, je vais vous souhaiter une bonne continuation à vous et à la foire exposition. Et ben je vous remercie et puis bon courage pour la suite de votre action. Voilà, donc c'était Jean-Louis Sombré pour les jeunes du Centre socioculturel. Centre socioculturel. Socioculturel, Comice 2009. Comice 2009.